10 matchs, 7 nuits en NBA, et forcément, il y a des bons coups à faire. Et on commence avec Chicago qui reçoit Miami au United Center. Les Bulls qui aiment bien scalper leur adversaire en ce moment à domicile. Tu m'étonnes, la semaine dernière, elles ont sorti la première fumée de la victoire face aux Cavs. Et puis, nouvelle fumée de la victoire il y a 2 jours face à Tipeee et sa bande. Tipeee, les tentes des Indiens là, ou Tony Parker? Bah les deux, c'est un jeu de mots, tu as compris. Où bon d'accord, ok. Bon en tout cas, Miami n'est pas la tribu la plus dangereuse de l'Est, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont se déplacer pour fumer le calumet de la paix. Hein. Mais first donc, pour les maillots rouges, on sort les flèches quand même. Bon, c'est bon, c'est trop là. Victoire de Chicago. Direction la Floride, le Magic reçoit les Nuggets. J'adore les Nuggets. Et tu n'es pas le seul, Thomas. Denver se fait véritablement manger en ce moment. 7 défaites sur les 10 derniers matchs pour mes excellents Nuggets. Ouais, un petit bilan de 8 victoires pour 13 défaites. Dont 8 défaites à l'extérieur pour mes sublimes Nuggets free. Ouais, on peut pas dire qu'ils voyagent très très bien. Hein. T'inquiète, dans mon estomac, ils voyagent très bien les Nuggets. Je vois ça, tu m'en as laissé d'ailleurs. Victoire dans le rando. Dernier match, les Nets rendent visite aux Spurs. Deux équipes qui ont les mêmes couleurs. Ouais, mais certainement pas le même bilan. Ni la même défense. Oh que non, les Nets ont la pire défense de la ligue avec plus de 114 points encaissés par match. Et en face, les Spurs sont la troisième meilleure défense avec moins de 98 points encaissés. Ouais, bon en fait, y a rien à voir entre ces deux équipes, quoi. Laisse-moi réfléchir. Victoire de San Antonio avec handicap. Pour plus de paris et des streams NBA en live, rendez-vous sur PMU.fr. Et pour plus d'infos, on se retrouve tout de suite sur la communauté PMU. GOO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 O